Le Sénégal que vous avez battu là, nous on va les rendre la pièce. On va leur montrer que le Tutsi, c'est notre tour. Oui, on accepte la défaite. La Coupe des Nations de football Côte d'Ivoire 2024 sera lancée dans moins de 3 mois. Les 24 pays en compétition se préparent âprement. Le Cameroun et le Sénégal, logés dans la poule C, se sont affrontés en match amical. Victoire des Lions de la Teranga 1-0 sous la satisfaction des Sénégalais vivant à Yaoundé. Sénégal gagne Cameroun. Nous sommes très bien contents. Sadio Mané a marqué le but. Avec tous les joueurs, ils sont très bien joués. On demande bonne continuation pour le CAN, Côte d'Ivoire, pour qu'on remporte le coupe pour la deuxième fois. Je félicite tous les joueurs, vraiment. Même le coach Aliou Cissé l'a bien fait pour le classement. Certains supporters des Lions Indomptables ont été déçus par la prestation de leur équipe. Bien déçus parce que ça n'a pas été facile pour les Camerounais. Les Sénégalais jouaient franchement. Un joueur n'arrête pas son adversaire. C'est ça qui nous a causé le pénalty et c'est ça qui a fait qu'on nous gagne. Puisque tout le long du match, le gardien n'a pas arrêté un tir au goal. Mais pour les plus avisés, il ne s'agissait que d'un match amical. Il n'y a pas lieu de s'alarmer. Ils ne se sont pas donnés à fond. Parce que c'était un match amical. Parce que réellement, il y a beaucoup de ces gars-là qui font mieux dans leur club. Le milieu de terrain n'était pas très compétitif parce qu'ils ne parvenaient pas à traverser le centre. C'était un match amical. Nipo Moutsi n'était pas là. Anguissa n'était pas là. On en a bien joué. Il avait les bonnes relances. Il a soudé bien son jeu. Malgré qu'il a un peu fait quelques fautes là. Mais quand même, il a rectifié les fautes là. Le Cameroun et le Sénégal livreront leur match de poule aux côtés de la Gambie et de la Guinée. Camerounais et Sénégalais sont optimistes quant à la prestation de leur équipe durant cette CAN. Le plus mauvais sort que je peux réserver au Sénégal, c'est que le Sénégal est une deuxième étoile encore. C'est la réaction primaire du supporter que je suis. Sans cesse, c'est le fait le résultat. C'est un problème d'équipe. Voilà. Le Cameroun, c'est cette équipe-là qui fonctionne avec beaucoup de suspense. On ne connaît pas où est-ce qu'ils vont sortir pour faire mal. C'est comme ça. Si vous interrogez vous-même ces adversaires, ils savent déjà qu'ils ont du pain sur la planche. Début de la CAN, le 13 janvier 2024.